Salut à tous, c'est Mr. Fanax pour un nouvel épisode de Dragonia 5 1985, le jeu de rôle. Donc, dans les derniers épisodes, qui étaient plutôt désastreux, nos héros avaient décidé donc soit de sauver des habitants dans la ville de Lithier dévastée par les créatures magiques, les Kanshi, soit pour certains une femme. De piller des boutiques d'alchimie. Mais enfin bref, après que Spiritus ait bu malencontreusement une potion un peu louche, de fil en aiguille, toute l'équipe a été mise KO, donc Spiritus, lui, s'était retrouvé à faire une overdose après avoir reniflé et ingéré trois fois de la potion et s'est évanoui quelque part dans la forêt. Volker, en essayant de soigner Spiritus, avait aggravé sa situation et lui-même était tombé évanoui à cause de cette potion. La musique s'oblige parce que c'est super fort. Oh, désolé. Et donc, ensuite, il ne restait plus que Frost et Okino qui s'étaient disputés au sujet d'un dragon. Et Okino, en voulant faire du mal à Frost avec des vilains éclairs, s'était plongé lui-même dans un profond coma. Voilà, et donc tous nos espoirs reposent sur cette chose qui est ici. Voilà. On est dans la merde. Donc, ce que vous voyez, c'est quelques heures plus tard, après que tout le monde ait pris un petit peu de repos, mais d'abord Frost voulait faire quelque chose, puisqu'il était le seul encore conscient. Je vais le piller. Alors, je vais... Très bien, tu commences... modifier mes fiches, par contre, Fanax. Oui. Donc tu vas commencer à fouiller les poches de ton ami pendant que je vous signale que puisque ça se passe quelques heures avant, cette scène-là n'existe pas encore. D'accord. Et il n'y a pas Spiritus ici dans un coin. Très bien. Du coup, voilà. Donc tu te penches vers ton ami et tu commences à fouiller ses poches tel un malfaisant personnage. Et déjà, il devrait limite faire un test pour voir si ça me réveille pas. Mais en plus, non, t'es dans le coma. Quelques heures plus tôt, tu avais 0 point de vie et 0 point d'énergie. À la fin de l'épisode, mais j'ai pas eu le temps. Très bien, donc voilà, tu. Qu'est-ce que tu vas lui voler ? Je vais lui prendre le carquois et les 10 flèches. Ouais, bon, ça je dis, je suis d'accord. Non, mais je les avais donnés. Non, c'était Volker qui m'avait donné, puisque c'était lui l'archer. Bon, très bien, donc. Les flèches, je dis, ce n'est que justice, parce que je sais pas te servir d'un arc. Oui, mais ça, je te les aurais donné volontiers. Par contre, j'aime l'esprit d'équipe, ça fait plaisir. Je prends la sarbacane. Très bien, la sarbacane. Je sais pas ce qu'il en aurait fait. La boîte de biscuits, je prends la boîte de biscuits. Il prend la boîte de biscuits. Alors, la boîte de biscuits. Là, par contre, tu vas mourir. Hein. Il a pris la boîte de biscuits. Boîte à biscuits. Purée, il a le saucisson de qualité, la boîte à biscuits maintenant. Il a trop de provisions, ce mec. Précieux. Et donc c'est tout ? C'était légitimement à moi d'avoir la sarbacane. Très bien, et grâce à ta discrétion, tu n'as pas éveillé l'attention de qui que ce soit et tu n'as pas réveillé Okino. De toute façon, Okino est pas là en état de faire grand chose. Il me reste encore la pierre verte brillante. Oui, mais j'aurais voulu la prendre, mais je dis ça se fait pas. J'allais la prendre. Ouais, non, parce que sinon vous allez finir par vous entretuer au sein du groupe, ça va être n'importe quoi. Déjà que ça a commencé. J'ai pas trop mangé les biscuits et après lui rendre les petits biscuits, mais j'ai pas là-dedans. Très bien, donc. Après cela, vu que vous êtes tous KO et pour les trois quarts de l'équipe incapable de faire quoi que ce soit, eh bien vous décidez donc de rester tous les trois à ce petit camp à l'entrée de la ville qui a été établi donc par les derniers gardes qui sont venus porter secours aux habitants. C'est tellement beau, les images en HD, les décors pixelisés. Oh, ça va, hein. Donc voilà, vous vous reposez quelques heures. Au fil du temps, vous voyez arriver d'autres personnes, elles aussi des rescapés de la catastrophe qui a frappé la ville. Et donc qui viennent se mettre en sécurité avec vous. Et vous tous, vous prenez quelques heures d'un repos vraiment bien mérité pour le coup. Du coup, En fait, comme je disais, ça c'est la scène quelques heures plus tard, donc vous avez déjà retrouvé tous vos points de vie et d'énergie. Test physique pour voir qui s'en avait en premier. Et donc. Limite, ça pourrait. Bien un test de physique ou de mental plutôt. Allez, bon, jouez tous à celui qui est le meilleur. Faites tous un test de physique. Qui va se réveiller le premier ? Non, mais c'est de la merde physique. Bah, c'est du jeu. C'est une brêle, le mec. Ouais, oui. Le mec, il va toujours faire genre test de mental pour tout. Alors ? 48. Ça passe pas, il me semble. Bleu. Purée ! Volker Mountain qui fait une réussite critique en se réveillant. Oh, mais moi aussi en plus, hein. Non, c'est une réussite critique, toi, c'est une bonne réussite.
Ouais, mais bah, bon, je vais pas mettre, de musique de réussite critique pour se réveiller, mais Volker, sache, si tu regardes cette vidéo, que tu es swag. Bon. Sa musique. Non, le mec, il se réveille. Très bien, donc Volker a eu un sommeil particulièrement récupérateur, je lui ajoute 3 points de vie. Ce qui lui a tout fait perdre, pour une raison inconnue. Moi, du coup, je peux récupérer aussi, j'ai fait presque un réussite critique. Tu sais, allez, plus 1. En fait, Volker, il se réveille, il sait tout. Il sait tout, il connaît tout le monde. Très bien, donc Volker, rapidement, il se réveille après les vapeurs de la potion un petit peu étrange. Et donc, il est le premier levé. Il inspecte un petit peu les environs. Il va voir ce que vous deux, vous êtes devenus, puisque vous dormez toujours. Même si toi, Frost, donc tu commences à t'éveiller. Et surtout, il va voir Okino. Je gagne de combien de points? C'est bon, là, c'est tout. Oh, violence. Lui, il en a gagné plus parce qu'il a fait une réussite critique. Je suis à 3 points de... Et donc Volker, puisque Volker est très bien éveillé, sans test, il voit donc à cet instant que de l'autre côté de la route, eh bien il y a un loup-garou qui est allongé de tout son long sur le sol et qui ronfle assez bruyamment. Et là je te bouscule. Et donc c'est Spiritus. Oui. Non mais t'es pas tout de suite réveillé. Hein. Si, il a dit. Et donc Volker se parle un peu à lui-même. Ah, il est là. J'avais peur que ce soit un petit peu parti en vrille après ce que j'avais fait. Non, tu crois? Cet accent éternel, il va me tuer, mais c'est pas grave. Oui. Merci Volker de ton admirable prestation. Et sa bestiole, elle est où? Elle est morte? Ou elle s'est barrée? Bestiole de Volker, c'est une excellente question. Bah, la bestiole de Volker, en fait, Volker lui avait demandé de rester à l'intérieur de la ville pour pas se faire pourchasser par les gardes. Donc, effectivement, elle y est restée. Elle a suivi les consignes. Très bien. Ouais. On la retrouvera jamais parce qu'on rentre pas dans cette ville. Très bien, donc vous deux qui êtes réveillés, eh bien vous voyez eh bien les gardes qui sont pour la plupart rassemblés autour d'un trou dans le sol. J'allais dire, ils jouent bien RP Spiritus parce qu'ils parlent pas de... Oh, des tunnels. Ouais, c'est bien, il ronfle même pas. Il est RP et pas chiant, c'est bien, il combine. Moi je vais courir vers Spiritus. En fait, est-ce qu'il est toujours là, tout simplement? Oui. Oui, moi. Donc, pendant que tu cours vers Spiritus, eh bien, Volker, lui, s'approche des gardes qui sont en train de regarder au fond d'un trou et leur demande « Mais qu'est-ce que vous fabriquez ?» Et donc, le garde lui répond « C'est un des trous qu'a creusé une de ces créatures pour monter à la surface. On pense qu'il y a tout un réseau de tunnels en dessous, d'après ce qu'on a vu. Je crois qu'on va essayer d'aller en bas pour voir si on peut pas faire quelque chose. » Pour les arrêter, parce qu'il y en a qui continuent de sortir. Juste un truc, je vais demander, est-ce qu'il est encore sous l'effet de la drogue ou pas? YOLO, il saute de l'or, je ronfle. Donc, hop, Spiritus. Très bien, je m'assois. C'est moi qui dors toujours. Je m'assois en mode yoga et tout, devant lui. Très bien, donc Spiritus, on va dire que tu... Qu'en l'entendant approcher, bien, tu te réveilles... progressivement, l'esprit très embrumé avec un mal de tête assez costaud quand même. Alors, avec tous les échecs critiques qu'il s'est pris dans la gueule aussi. Mais... Il s'est passé quoi? Eh ben, tu veux faire rire. Tu t'es barré. Et c'est revenu. Violé. Et donc, pendant que vous parlez, il y a un des gardes qui s'approche. Ah, il est enfin réveillé. Vous êtes un de ses amis? Non, parce que on l'a trouvé dans la forêt, enfin, en train de... C'est quoi ce Ça bug? Oui, je sais pas. Il y a quelqu'un qui fait d'horribles bruits de micro. Bah, ça bug. C'est bien dégueu. C'est d'argent. Non, c'est pas moi. Non, je veux dire, c'est Phanax. Non, c'est pas moi. Non, bah, ok. Bah, du coup, j'avais envie de dire non, je le connais pas. Non, donc il dit... parce qu'on l'a trouvé pas loin d'ici. Je sais pas ce qu'il avait, mais il avait l'air sacrément mal en point. Alors, du coup, on l'a traîné ici avec les gars. Gracias. Et là, je lui donne deux drakes. Non, je... Moi, je suis radin? Non, j'ai juste pas d'argent. Très bien, donc il est très déçu. Et donc, quand même, je vous conseille de pas rester par ici. Pas rester par ici. Parce que bon, les habitants sont un petit peu perturbés. Et je pense pas qu'ils seraient vraiment d'humeur à accepter des loups-garous. Mais, monsieur, attendez. Je suis pacifiste, gros. Bref. Il me fout des vents, le mec. Au revoir. Oui, il t'a foutu un vent assez violent. Et pendant ce temps-là, donc, Okino, tu te réveilles à ton tour. Tu te sens un petit peu faiblard, mais voilà. Ok, bah, je, je,
J'arrive plus à suivre. Trop très bien, il fait du RP, c'est cool. Mais Okino, tu te réveilles. Ok. Hop. Je me cache derrière Spiritus. Ok, donc Spiritus, on va reprendre l'ordre normal. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'étire et puis ouais, je demande plus précisément à Frost ce qui s'est passé. Parce que je ne le sais pas. Volker, drogue, feu. J'appelle ça la gueule mort. De bois. Hein? Toi, okay. Parler français, c'était une Frost. Alors, je vais t'expliquer. Tu te souviens, on est allé dans la boutique d'alchimie. Oui. Et t'as reniflé de la drogue. De la drogue pure et dure. D'accord. J'ai essayé de te réveiller en te donnant quelques petites claques. Sauf que toi, tu m'as mis un gros coup de patte. Ça a enflammé, ah bon, toute, merde, la... Ça a enflammé toute la boutique. On est sorti. Ok. Bref, c'était la merde, c'est ça? Et donc, Frost, à cet instant, quittait. Ensuite, eh ben, on est sorti. Bon. Volker a voulu sniffer ta drogue. Il en a renversé plein. Et donc, Volker, depuis l'autre côté du trou, c'est pas vrai, je voulais l'aider. Oui, tu l'as aidé, oui, bien sûr. Bref, ensuite, tu t'es barré du côté de la forêt, tu t'es évanoui. Et les gardes sont gentiment venus t'aider. Voilà, c'est tout. Ok. Bref, tu étais méchant pendant toutes ces années là. C'était pas gentil, monsieur. Il a rien compris. Bah, je me suis drogué et j'ai fait le connard, c'est ça? Mais je me dis, mais quoi? C'est une violente overdose quand même. C'est mec, pendant sur moi, c'est. Il s'écrase. Échec critique, il m'écrase. Ça aurait été drôle. Non, pardon. Donc, Okino, de ton côté. Oh bah. Je me dirige vers le groupe de personnes. Vers le groupe de gardes. Tout le monde s'en fout de Spiritus, c'est super. Je te déplace. Tu peux pas agir. Ouais, je peux pas vraiment pas. Je peux juste cliquer sur mon personnage pour lancer les dés en fait, ou faire ça. Ok, très bien. Donc tu t'approches des gardes. Et donc tu essaies de voir un petit peu ce qui se passe. Et tu surprends effectivement la conversation entre les gardes, entre Volker, qui sont en train d'expliquer qu'effectivement ils ont repéré comme un réseau de galeries en dessous. Et qu'ils suspectent. Que c'est là que pourraient se tapir toutes ces créatures qui continuent à attaquer la ville. Et donc qu'il voudrait envoyer une équipe jeter un coup d'œil là-dessous pour essayer d'améliorer un petit peu la situation. Voilà, problème réglé. Ouais, ce serait pas mal. Et donc à cet instant, Volker se tourne vers les gardes et il leur dit vous savez, tout à l'heure, on avait rencontré le mage du château, juste avant qu'il meure. Et il nous avait dit que ces créatures s'appelaient des Kanchi, et qu'elles avaient une reine, et qu'il suffirait peut-être de tuer la reine pour mettre en déroute tous ces monstres. Ah. Donc les gardes se tournent vers lui intéressés, et donc ils lui répondent « Ah, dans ce cas, il faudrait peut-être essayer d'abattre cette chose. » Parce on que... se rapproche, mais par contre pas par là, parce que là on est au pédale. Je dis quelque chose. J'ai envie de signer deux choses. De un, il y en a probablement 10 fois plus dans ces galeries que ce qu'ils nous ont attaqué. Et deux, on sait même pas si ça va suffire à les arrêter de tuer la reine. Et donc un ça garde te... sur suicide. un garde te répond. De social, tu sais, il y a Volker qui un garde te répond. Je ne sais pas. Vu le nombre qui sont sortis dehors, je pense qu'une bonne partie doivent être en ville encore. Peut-être que tant que l'attaque n'est pas terminée, on aurait une chance de passer. Ouais, tant que l'attaque n'est pas terminée, on a encore moins de chances de passer, hein, parce qu'ils viennent de plus en plus. Ils viennent du coup. Non, mais non, ils sortent de terre, et si effectivement, comme vous le dites, ils ont formé une colonie là-dessous, ça veut dire qu'ils ont tous abandonné les tunnels pour monter. Et donc peut-être que tant que l'attaque dure, ils auront relâché leur garde. Ouais. Vous pouvez tenter, hein. Bon, pendant qu'il dit ça, moi je saute, m'en fous. Tu t'engouffres dans le tunnel, et donc il y a... Spiritus, tu me suis ? YOLO ! Non, donc il y a un garde... Je vais tout seul, mon fou. Vous y allez, vous ? Bah moi j'y vais, je sais pas. Moi j'ai pas peur. Allez, salut ! Bon, personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait Volker ou Kino qui viennent avec moi, parce que... Si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Bon, vous deux, accompagnez-les. Donc il y a deux gardes qui commencent à s'approcher prudemment du tunnel... En regardant un petit peu à l'intérieur. Donc Volker lui dit très bien. Eh ben, je vais essayer de faire ce que je peux pour régler la situation. Et Okino, toi, que fais-tu? Est-ce que tu snobes les gens? Non.
Il va rester. Ça va mal finir, mais je vous suis. Allez. Très bien. Et donc, vous vous engouffrez tous à la suite. Hop, Frost devant. Dans ce magnifique. Bah, du coup, je crie. Du coup, je crie à Frosty. C'est profond là-dedans. Je sais pas. Bah, Frosty. Hop, c'est un tunnel qui n'est pas extrêmement profond. Je t'ai du physique pour retomber sur mes pieds. Mais tu fais... Me rattrape comme une grosse. Bah, si tu commences à me tenter, oui, mais. Non, mais si je jouais RP, j'ai dit juste que lancer des sorts. Ça mérite avoir un peu. Je dis juste que lancer des sorts dans des galeries, c'est pas mon truc. Ça va mal se finir si je me mets à lancer des sorts dans des tunnels. Hein. Alors que moi, ça me fait qu'au corps à corps, là, il peut pas esquiver le mec. La galerie n'est pas extrêmement profonde, elle descend en pente plutôt douce sur 2 mètres, donc c'est pas... Ouais non mais je dis juste que eux aussi se battent encore à corps, Frosty. Hein. Je vais pas te demander de test de fou. La dernière fois ouais, continue à faire des bruitages pendant qu'il y a le petit sablier Windows qui tourne. Vous devez patienter, merci. Et donc, vous pénétrez dans des tunnels humides et sombres. Aïe. Là, c'est juste noir. Voilà. La dernière fois qu'on a dû descendre dans un trou, c'était dans la saison test. Ah, c'était bon. C'est mal fini pour 3/4 des gens. On était 4. C'était assez violent. Très bien. Donc, Frost, donc tu progresses dans le tunnel. Je laisse passer Spiritus et je reste derrière la couverture. Sympa. Moi... Non, mais c'est le temps. Donc, bah, sinon, moi, actuellement, voilà, c'est bon. Je voyais un écran noir. Un point de vie et un point d'énergie. Je sais pas si c'est bon. Bon, je suis derrière en couverture. Si jamais quelqu'un t'attaque, je vois voilà. Le tunnel est extrêmement sombre. Vous ne voyez quasiment rien. Et donc, les deux gardes sortent chacun une torche. Ce qui vous éclaire un peu. Ça fera de la lumière. Ouais, mais les gardes ont sorti des torches. Hein, ce qui est un peu moins risqué, on va dire. C'est par là, là, ce qu'on a vu. Parce qu'il y a un petit peu un trou là, mais bon. Très bien, donc. J'en sais foutre rien, moi, monsieur. Mais non, mais c'est logique. Donc vous continuez moi, à progresser. Moi, je continue à marmonner. D'ailleurs, je dis juste une chose, je continue à marmonner, ça va mal se finir. Je fais un test de perception pour tenter de voir un peu mieux ce qu'il y a autour de moi. En mode vision nocturne. Voilà. Il me semble que non, ouais, par contre, faut te souvenir que t'as un bonus pour les tests d'intelligence qui sont plutôt perception de loup-garou. Il me semble que t'as un gros bonus pour ça. Alors attends. Ce qui serait cool, c'est qu'on tue les gardes et qu'on dit que c'est la reine. Ouais. Vous lui faites disparaître sans laisser de traces. Voilà, et pendant ce temps, je pile leur armure. Non, je pile leur armure, c'est moi qui ai l'idée. Genre, donc, tu gardes un bouclier, Spiritus. Ok, 50. D'ailleurs, je me demande si cette gemme verte est aussi insignifiante qu'elle donne. Très bien. Bonus, très bien, donc tu t'avances éclairé par la faible lumière des torches des deux gardes et tu vois un petit peu mieux hop, ce qui se passe par ici. Voilà, vas-y passe. Donc voilà, le tunnel visiblement s'élargit et grâce à ton test de perception réussi, tu perçois également les bruits du tunnel et tu vois qu'au niveau des bruits il n'y a pas grand chose mais tu entends quand même quelques pattes qui s'agitent plutôt sur ta gauche. Et comme on dit, j'ai envie de dire, les loups-garous et les assassins d'abord. Oui, les assassins. Par là-bas. D'accord, donc par là-bas, ouais, j'ai réussi à faire bouger mon perso avec ma Wii U. Il y a des exploits technologiques. Bon, moi, du coup, je dois faire bouger 99% de cette population. Très bien. Bah, je peux diriger un token, si vous voulez. Hop. Ça me dérange pas, hein. On peut me retourner. Ok, donc, Spiritus, vous pénétrez dans une petite grotte. Moi, et progressivement à la lumière des torches des gardes, eh bien ça commence à s'éclairer. Je peux peut-être voilà, effectivement, Spiritus, comme tu l'avais pressenti, eh bien tu vois une de ces créatures qui fouille dans un coin. Alex, tu peux tourner ma tête. Je peux. Ouais, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Ouais. Donc sur le sol, vous voyez des débris, des morceaux de carapace, des morceaux de nourriture, des morceaux de cadavres non identifiables. Et vous voyez que certainement ce tunnel devait avoir eu une assez grande activité dans le temps, mais que là il est pratiquement désert. Et donc la créature vous aperçoit, et puis agite ses mandibules vers vous de manière assez agressive, mais elle recule prudemment. Voyons quelle est en infériorité numérique. Agro-grou, je suis un méchant assassin. Lance des couteaux. Non, j'ai loupé, j'ai loupé. Moi, j'ai juste. Je Spiritus, je, que fais-tu je me dirige. Ah oui, c'est Spiritus.
comment il s'inspire. Je fonce sur la créature pour la défoncer. Mais non, fais pas ça, arrête. Bah ça fait en fait, si tu veux, ça fait à moitié cramer, si elle prévient toutes ses amies, on est dans la merde. Justement, faut. Bah oui, mais après c'est encore plus cramé quand on l'entend crier comme une folle en fait. Ouais, mais s'il la tue assez vite, elle va pas crier. Bah je peux tirer un couteau je peux essayer de lancer un couteau. Oui, mais là. C'est à ton tour. Bah si vous mettez d'accord, oui. Bah Spiritus, pas obligé d'agir. Lance un couteau d'abord si tu veux, par plaisir. Ça vous plaît, mais ça marche pas. Donc hop, Frost, tu tentes de lui lancer un poignard. 72, très bien. Donc tu tentes de lui lancer un poignard, ça passe à côté et la créature s'enfuit. Denis revient et je prends mon couteau en passant. Tu peux la poursuivre, non? Ouais, poursuis-la. Très bien. On la poursuit, mais je suis un petit peu rapide que moi du coup. Donc vous commencez à courir dans les tunnels, Okino, qu'est-ce que tu fais? Je prends mon couteau en passant. Je vais pas les suivre, je suis pas quelqu'un comme ça, je vais faire le tour d'ici, là, l'endroit où je suis. Et je vais en profiter, est-ce que j'ai assez? Est-ce que tu peux me dire, parce que je peux pas vraiment trop voir si j'ai de quoi invoquer un feu follet. 10 points d'énergie, peut-être, ouais, je pense. Tu peux le tenter. Donc tu vas tenter d'invoquer un petit peu de lumière. Moi, juste combien j'ai parce que... Bah tu as 10. Tu as 10. Oui, enfin. 10 et combien de mental avec tous les bonus? Ah, Je peux vraiment pas voir mes fiches. Score de mental, alors du coup, hop, t'as 65 de base, plus ça fait 75. Ok, 75. 32, ça passe. Très bien. Et donc, toi, tu te poses. Tu retiendras ma mana. Tu te poses, tu t'arrêtes et tu te concentres afin de faire appel à un des nombreux petits démons qui circulent dans les environs. Et effectivement, tu réussis à capter l'énergie d'un feu follet que tu as servi sans aucun problème. Juste un truc, est-ce que je pourrais demander quelque chose à Spiritus? Si jamais tu pourrais essayer de, pas de la défoncer comme ça, de la prendre et de la balancer par là, parce que sinon s'il va rejoindre ses amis par là... C'est ce que je comptais faire, ce que j'étais en train de me dire. Comme ça? Coucou! Voici l'Orborabé. Vous êtes content? Très bien, donc tu vois Okino se matérialiser tout près de toi, une petite sphère d'énergie qui tourne autour de toi de manière complètement folle, tout excité. Et voilà, donc apparemment tu ne perçois pas vraiment d'émotion hostile venant d'elle, même si tu viens de la servir. Tu sens tout simplement une espèce d'enthousiasme un peu puéril. Ça a l'air de lui poser c'est des problèmes. C'est un bébé en fait le truc. Bah en fait les feux follets en fait ce sont des créatures magiques extrêmement primitives et extrêmement stupides. Sympa, un peu comme ta meuf quoi. Exactement. Un peu plus sous un spirit hein, mais bon. Voilà, donc pendant ça, ouais, les gardes tout le monde. Sont entrés dans la grotte et pendant que l'un d'eux est bien. J'essaie d'avoir un peu de stratégie, on me rappelle que je suis pour vous aider, un autre commence à essayer de voir un petit peu ce qu'il y a dans la zone. Okay. Et donc, Volker qui n'est pas spécialement doué à la course, et bien. C'est un sprinter, c'est exprès. Avec des jambes de demi-nains, ça risque pas. Oh, c'est les nains qui sont des sprinters. Et donc. Il râle un peu, oh, ils le rattraperont bien, et il commence à étudier un petit peu l'environnement pour voir s'il peut reconnaître quelque chose. Ouais. Donc, pendant cela, vous continuez à courir, je suppose? Non, il avait dit un truc, Spirit. Oui, je tente de choper la créature au vol et de la lancer par derrière. 3 mètres, il a juste à faire un pas de plus et il l'attrape. Donc, tu auras quand même un petit malus de 5 parce que tu cours. Donc tu vas tenter de la rattraper. Et puis s'il la rattrape pas, je mets un couteau. Encore. Ah non, ça va rien faire. 66. Merde. Ça passe pas. Très bien. Donc tu tentes de l'attraper. Elle court plus vite que ce que tu pensais. Et donc à nouveau elle t'échappe. Frost. Je la rattrape et là je lui balance des couteaux. Un couteau. Très bien. Donc hop, bonus de 10 car tu le fais quasiment à bout portant. Je suis trop gentil. Et j'essaie de le mettre dans la tête, est-ce que ça me met un malus ou pas si j'essaie de le mettre dans la tête? Ça te donne un malus de précision. Ça me donne un malus de précision. Ça fait moins 10, du coup t'as aucun bonus quoi. Ok, bah ouais, c'est bon ça. Attends, je regarde juste la map. Ok, c'est bon, bien. Ouais, donc vous commencez à voir de plus en plus de choses grâce à mon découpage polygonal très moche. Ça passe. J'ai 50 points. 36. Ok, très bien. Donc tu projettes ton couteau sur l'animal et tu le touches à la tête.
Et donc effectivement, tu perds sa carapace, elle se roule sur le sol et agite les pattes en agonisant. Et du coup, je lui mets un deuxième couteau dans le ventre. Très bien, je vais pas te faire un test pour mettre un coup de couteau à une créature agonisante. Et donc, effectivement, tu donnes un dernier coup de couteau, elle émet un horrible petit bruit d'agonie et ses pattes cessent de remuer. Bah du coup, je reprends mon deuxième couteau que j'ai planté dans sa tête. Ok, tu reprends les couteaux. Pendant ce temps-là, Okino. Oh bah moi du coup, je fais le tour. Je fais le tour parce que je me rends compte que c'est à faire. Donc tu explores un petit peu le coin. Ouais, ouais, je vais là en gros, en faisant le tour. Très bien, donc tu explores un petit peu le tunnel à la lumière de ton feu follet qui te suit fidèlement. Et effectivement, tu remarques des déchets organiques absolument partout. Mais pas vraiment grand chose de très significatif pour l'instant. Cet épisode va malheureusement devoir s'arrêter ici pour cause de bugs de son. Mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez prochainement vos quatre aventuriers dans la suite de l'exploration du nid d'insectes maléfiques de la mort qui tue. Alors en attendant, portez-vous bien et à... samedi prochain.